Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient cette affirmation qu'on entend et qui consiste à dire qu'un rapprochement entre la Massif et la Batmut serait incontournable? Alors, en ce qui concerne la CGT Massif, cette affirmation, elle est unilatérale, elle vient de notre direction. Elle s'appuie sur des éléments qui ne sont pas factuels. Et d'ailleurs, c'est un constat qui n'est pas partagé. Nous n'avons jamais pu débattre des éventuels constats qui ont amené à cette affirmation. Pour la CGT Matmut, même problématique en interne groupe, hein, puisque de débat il n'y en aura pas eu. Et la direction ne souhaite absolument pas l'ouvrir, malgré nos demandes à maintes reprises réitérées depuis l'évocation par voie de presse de ce projet de rapprochement. Va-t-on appeler ce projet de rapprochement fusion, alliance, coopération, groupement, que sais-je encore? Je dirais que c'est un faux débat, en fait, qui n'intéressera finalement que les techniciens qui le portent ou qui veulent le porter en débat. La forme juridique, clairement, à ce stade, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse bien davantage, c'est effectivement de savoir, de pouvoir déterminer quel est l'objectif réel de ce projet et surtout les conséquences pour les salariés. Et alors, qu'est-ce que le syndicat CGT pense de cette affirmation? Alors, pour nous, bon, d'une part, nous ne partageons absolument pas l'affirmation qui consiste à dire que nous sommes obligés de nous rapprocher ou de nous allier. Et nous sommes confortés dans notre analyse également par l'expert comptable du CCE qui partage également notre vision. Concernant la CGT Matmut, on nous présente ça comme étant incontournable. Alors incontournable peut-être, incontournable jusqu'à quand? Puisqu'on va rappeler qu'il y a quand même eu des projets qui ont été inscrits dans le marbre au départ, qui étaient très importants et qui n'auront finalement duré que quelques mois. On peut citer l'exemple de l'épargne-vie dans laquelle on a investi les forces vives de l'entreprise pour au final abandonner le projet très rapidement. Donc on peut se demander si ce rapprochement sera pérenne ou pas. Mais alors, est-ce que la Massif est vraiment obligée d'en passer par un tel rapprochement? N'y a-t-il pas d'autres moyens d'envisager l'avenir? Alors pour nous, clairement, oui, il y a d'autres moyens, parce que la Massif possède des avantages qui ne sont pas discutables et elle a des fondamentaux sur lesquels elle peut s'appuyer. Alors, pour ne citer que quelques exemples, nous avons déjà 5 millions de sociétaires, même un petit peu plus, sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Par ailleurs, nous avons un savoir-faire qui est reconnu. Et enfin, nous avons une notoriété qui est aujourd'hui largement diffusée et connue. Et de ce fait, nous pouvons nous appuyer sur ces avantages-là pour pouvoir nous en sortir seuls. C'est en tout cas notre analyse. Alors, nous ne nous voilons pas la face. Nous savons que nous avons des difficultés avec nos résultats et en matière de développement également. Toutefois, nous pensons qu'avec les avantages que je viens de vous citer, il serait préférable de commencer à chercher des solutions internes et que si d'aventure nous n'arrivions pas à trouver de solution interne, à ce moment-là, il faudrait envisager d'autres solutions telles qu'un rapprochement ou en tout cas un adossement avec quelqu'un d'autre. Oui, et puis on peut rappeler aussi que des coopérations existent déjà, hein. On peut parler d'IMA, Socram, on n'y est d'ailleurs pas opposé, hein, sur le principe. Simplement, les choix de la Massif n'ont pas toujours été couronnés de succès. Le terme d'accident industriel a parfois été évoqué, hein, sur certains choix. On a un peu l'impression que la Matmut apporte une certaine solvabilité sans avoir la certitude que les projets seront viables une fois que le groupe sera constitué. Oui, mais alors j'imagine que si la direction mène son projet à terme, ça ne se fera pas sans l'émergence de points d'achoppement de la part de la CGT. Est-ce que vous pouvez un peu détailler ces points d'achoppement? Alors pour nous, il y a des éléments qui sont quand même assez évidents en matière de contradiction dans ce choix d'adossement. Très souvent, lorsqu'il y a une fusion, l'objectif visé, en fait, est de permettre de peser plus fortement sur le marché et par là même de créer une dynamique qui va permettre d'accélérer le développement. Ce que l'on constate, et qui est quand même une évidence, c'est que le sociétariat, tant de la Massif que de la Matmut, se ressemble énormément, que nos contrats sont les mêmes,
que finalement nos répartitions géographiques, nos cibles sont identiques et que en réalité sur le terrain nous sommes plus finalement concurrents qu'autre chose. Donc l'alliance de deux concurrents ne permettra pas l'objectif visé par une fusion, qui est donc de pouvoir se développer plus fortement. En revanche, ce qu'elle peut permettre, c'est, à contrario, de pouvoir réaliser des économies sur les frais généraux et sur sa composante principale, qui est la masse salariale. Ce sont évidemment des solutions qui seraient assez faciles à mettre en œuvre, mais que nous dénonçons fortement parce que nous avons plus que des craintes dans ce contexte-là sur le statut des salariés dans les deux entreprises et sur leurs conditions de travail. Donc pour nous, on voit bien que le risque, et c'est ce pourquoi nous voulons nous exprimer, c'est que ça pèse très fortement sur les salariés. Par ailleurs, si on reprend le modèle initial de Sferen, ce modèle visait à réaliser des économies d'échelle, ce que nous ne contestons pas dès lors que ces économies portent, comme il était prévu à l'origine dans Sferen, qu'elles soient réalisées sur notamment les achats assurance ou hors assurance. Ça, nous partageons cet objectif-là. Un autre objectif de Sferen consistait à mettre en commun le réseau des réparateurs, voire celui des experts. Dès lors que nous mettons en œuvre ces éléments-là pour permettre un meilleur maillage du territoire, un meilleur service, une homogénéité des services, ça nous va bien. Maintenant, ce que nous avons constaté d'ores et déjà, c'est que en ce qui concerne Sferen Réparation, la réalité, ça a été de peser beaucoup plus fortement sur le coût de la réparation et de ce fait créer des conséquences sociales importantes, déportées sur les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc ça, évidemment, c'est loin de nos valeurs. Constat partagé également par la CGT Matmut. On a été très peu d'organisations syndicales, me semble-t-il, dans les deux groupes, à défendre effectivement la situation sociale de nos confrères garagistes dans le cadre de Sferen Réparation, sans avoir d'ailleurs eu beaucoup d'écho en retour. Ça ne semblait pas intéresser nos directions. Pour avoir interrogé la nôtre en interne, j'ai cru bon devoir rappeler notre président à l'idée de quand même des valeurs mutualistes du groupe, et malheureusement nous n'avons pas eu de retour très satisfaisant à ce niveau-là. Évidemment, un certain nombre de points d'achoppement sur ce projet-là. L'assurance court après de nombreuses années après le modèle notamment organisationnel des banques. On court plus récemment depuis la dernière crise qui n'est hélas pas finie de 2008, après la fameuse logique du too big to fail, c'est-à-dire trop important, trop gros pour tomber. Bon, pense-t-on sérieusement que le rapprochement entre nos deux groupes, aussi important soit-il, mais sachons raison garder, le cumul de nos chiffres d'affaires est de l'ordre quand même d'une dizaine de milliards, à rapprocher des géants du monde de l'assurance, en quoi allons-nous peser? Il faut être un peu sérieux quand même. Et bien entendu, nous n'avons strictement aucune réponse. Autre interrogation, la gestion prudentielle reconnue d'ailleurs par nos confrères du milieu professionnel, notre gestion professionnelle permet effectivement au groupe maintenu d'afficher une excellente solvabilité, hein, qui est de l'ordre d'environ 4 fois la marge de solvabilité requise par les textes européens, solvabilité de dernièrement. Alors est-ce que, je dirais, ce bon comportement, entre guillemets, du point de vue de l'entrepreneur, est-ce que ce comportement doit servir à financer des choix économiques plutôt hasardeux de la massive ces dernières années? La question est permise, sauf qu'on est bien seul à la poser et on n'a pas de réponse. Il y aura aussi inévitablement des conséquences sociales, alors non pas très immédiatement pour les salariés de la Matmut, mais gageons que ces conséquences-là, ils les vivront malheureusement dans un avenir relativement proche, et peut-être pas dans 10 ans. Alors de tout cela, nous allons effectivement parler dans la seconde vidéo. Bien, merci messieurs pour ces éclaircissements.